L'événement, organisé par Michel Gouin et Chantal Morin, a été une réussite retentissante, battant l'ancienne marque de 108 jeunes en 12 minutes et 36 secondes. Le nouveau record impressionnant? 160 jeunes en 12 minutes et 34 secondes. Le 20-55 n'a pas fait faux bond à l'invitation de Michel Gouin et de sa fondation et était bien sûr présent sur les lieux pour assister à ce nouveau record. Le 20-55 a été témoin de l'énergie débordante et de l'enthousiasme inébranlable des élèves de l'école Saint-Majorique du Centre de services scolaires des Chênes. En effet, les élèves de l'école Saint-Majorique, avec la participation active et fière des professeurs d'éducation physique, des enseignants et des membres de la direction, ont soutenu et encouragé les jeunes tout au long du record. Cette activité ne visait pas uniquement à briser le record, rappelle Michel Gouin, rencontré sur place par le 20-55. L'objectif était bien sûr de battre le record, mais aussi et surtout de promouvoir l'activité physique parmi les jeunes tout en s'amusant, ajoute Michel Gouin qui n'avait que de bons mots pour les élèves, professeurs et membres de la direction de l'école Saint-Majorique dans la MRC de Drummond. En récompense pour leur participation enthousiaste et leur effort collectif, les jeunes recevront 500 $ destinés à financer une prochaine activité, ainsi qu'une collation saine qui sera offerte aux jeunes en remerciement de leur participation. La Fondation Michel Gouin, support essentiel de cet événement, était fière d'être associée à une initiative aussi dynamique et positive. Michel Gouin, satisfait et heureux de contribuer, a souligné l'importance de promouvoir des habitudes de vie saines parmi les jeunes, surtout ceux issus de milieux défavorisés ou ayant des déficiences intellectuelles.